Bonsoir les amis, ou bonjour suivant à l'heure vous regardez la vidéo. Alors tout d'abord un grand merci pour tous ceux qui ont visionné ma première vidéo, c'est super sympa, ça fait plaisir, j'espère que j'ai pu aider quelques personnes. Donc aujourd'hui je reviens dans ma serre, je suis toujours dans ma serre pour vous expliquer ma petite technique d'arrosage de mes pieds de tomate. Alors c'est pas bien compliqué et c'est plutôt efficace. Donc moi j'utilise des bouteilles, vous voyez, des bouteilles en plastique, 1,5 litre, 2 litres, peu importe, des bouteilles qu'on trouve n'importe où. Je découpe le haut de la bouteille, juste le haut, sur 2-3 cm. Le bouchon, je le laisse. Je fais 2-3 petits trous avec une aiguille chaude, une aiguille que je mets sous un briquet, comme ça perce tout de suite. Et ensuite, au fond du trou, de mon trou, je mets un caillou plat. Ou un caillou plat ou un petit lit de caillou pour éviter que la terre bouche mes petits trous. Donc, c'est plutôt efficace. Je mets de l'eau dans ma bouteille, voilà, et ça permet à l'eau de s'écouler tout doucement au niveau des racines. Ça a des avantages, donc pas de gaspillage d'eau, l'eau va directement aux racines, et en plus de ça, ça m'évite de mouiller les feuilles. Donc, bon, je ne suis pas le créateur de cette invention, moi je fais que du recopiage, mais je confirme que réellement ça marche bien quoi. J'arrose mes tomates uniquement avec ça et vous pouvez voir que elles sont plutôt pas mal, elles sont même plutôt belles. Les feuilles sont superbes, j'ai pas de maladie, j'ai rien. Donc non, c'est assez efficace, vous voyez, toutes. Et moi je mets des bouteilles à tous mes pieds. Et je les arrose, honnêtement, à cette saison, je les arrose à peu près une fois par semaine, ça suffit, largement. Voilà. Donc, comme dans ma première vidéo, je vous fais voir mes super plantations. Donc, j'attends en commentaire de savoir si quelqu'un sait ce que c'est. Ça me ferait bien rigoler. C'est bon, c'est un petit délire que j'ai voulu faire. Voilà. Donc, voilà pour l'arrosage de mes tomates. Je vous mettrai d'autres explications. Je les arrose aussi avec un purin, une préparation spéciale que je fais pour elles. Je le fais environ une fois toutes les 3 semaines. Je l'ai déjà fait une fois, je le referai dans 15 jours. Mais je vous expliquerai comment je fais. C'est super efficace. Voilà, donc si ma vidéo vous plaît et qu'elle vous a servi, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, vous abonnez, et puis moi je continue à faire des vidéos pour voir l'évolution un petit peu de ma petite serre. Je vous remercie, ciao, ciao.